Et salut à toi YouTube et bienvenue dans cette vidéo de la Turbo's Endurance Race numéro 4. Voilà, quatrième semaine de compétition de la nouvelle compétition en vrai de Turbo, donc Lockers Turbo, qui est un créateur de contenu sur Trackmania, qui organise l'Endurance Race, qui a repris le format anciennement introduit par Riolu, la XD Race à l'époque. Maintenant, c'est la Turbo's Endurance Race. Et en gros, c'est 4 circuits d'environ 5 minutes. Pas de warm-up, en tout cas, pas un assez grand warm-up pour déjà jouer la map. Donc là, on a en gros 40 secondes pour regarder la map très rapidement. Très rapidement. Et ensuite, on démarre et le but, c'est de terminer le plus vite possible. On a 50 secondes, très exactement, de warm-up. Alors, je vais essayer de sniper les moments un peu compliqués. De type glace, de type eau. De type double respawn ou ce genre de choses qui sont vraiment intéressantes après shot. Là, j'en vois pas. A priori. Il y a un sort de looping. Attends, que... Ouais, ouais, c'est juste ça. Pas se faire avoir. Ok. Med tweaker, parce que je me suis fait avoir la dernière fois. Tic-tac-touc. Ok, on va rouler un peu. Je vais enlever la HUD. Ok, ça lag beaucoup, mais bon, ça, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Allez. Déjà, je vois Bug Slide, là. Un bug slide alors que c'était pas un bug slide, je suis pas bizarre. Bon, forcément, vu que j'ai pas roulé le warm-up, je suis un peu plus lent au début. Mais au moins, j'ai en tête des passages de la map. Donc vraiment, c'est pas une compétition... Enfin, c'est une compétition de rapidité, mais c'est de l'endurance. Donc vraiment, ça va être à celui qui ne respawn pas, globalement. Je pense que tu respawn pas, t'es minimum top 3. Bon, après, forcément, ça dépend des fails que tu fais, mais... Avec une pace correcte... Sans respawn, c'est top 3. Oh, le lag. Oh, j'ai eu le lag au pire timing. Ok, il y avait un petit manque de visu pour moi. Ah merde. Ouais, j'avais pas compris. Normalement, on était censé prendre la petite boss bleue. Un peu lent parce que forcément je voyais pas la sortie. Ok, ça va, tant que j'ai passé la gear avant, c'est bon. Je me suis fait confiance. Ok, pour l'instant c'est bien indiqué. Je suis désolé, je mets pas la HUD parce que je lag un peu moins sans la HUD. Et à ce niveau-là, je dis pas non à quelques frames en plus. Vous m'excusez, ce sera un petit peu... Vous avez sur ma voiture le combien de temps je suis.
Attention. Ça c'est bien le attention. En fait à chaque fois on remarque pas qu'on a un no break. Oh non, Lingo, c'est ruiné. Ouah, c'était casse-gueule, hein. Oh, fichtre. J'ai grid l'XT, mais bon. Ok, je suis assez safe. Est-ce que je safe un top 2? Je suis un peu sur la... sur la retenue. Est-ce que j'attends un fail de Lingo? Putain. À 2 secondes 7, je suis pas vraiment safe. Je suis pas safe, top 2. Bon, à mon avis, je vais espérer une erreur de sa part. Ouais. Il n'y en aura pas. Pas grave. J'ai bien tenu, pas de respawn. Top 2. Je suis très content de ma run. J'aurais difficilement pu aller chercher devant. Pff, oh, je vous jure, c'est tellement de concentration. Ces compétitions-là. Pff, en fait, je respire plus. Je me rends compte à la fin de la run que je respire pas. Hazard 5ème, c'est rare. Bah, je pense que l'endroit le plus chocable de la map, c'est ça. À mon avis, là, parce que ça arrive vite, en fait. T'arrives, tu prends l'XT. À la limite, tu prends un T pour safe. Et tu te retrouves un peu trop XT. Et du coup, là, tu rates la transi. Enfin, j'ai failli rater cette transi, en fait. J'étais vraiment... très très close. C'est whitelist la endurance race? Pas du tout. C'est un serveur ouvert à tous. On est 106 joueurs dessus. My FPS, where are they? Ah, j'étais au loco la semaine dernière, au loco BDS. Et j'ai joué l'endurance race au loco avec un PC. Avec une 3090. Et je sais pas, un PC de fou quoi. C'est les PC qu'ils ont là-bas pour les joueurs qui bootcamp, etc. J'étais dans la salle des joueurs R6. Et c'est des PC de fou. Et j'avais quasiment pas de lag. C'est un truc de malade. Comment as-tu trouvé ton son? Une rota de 4 maps et c'est plié. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, Loco BDS, le micro. Ah, il saturait un petit peu, mais c'était franchement... tu t'y habitues assez vite. C'était correct. Des fois, quand je parlais un peu fort, c'était un peu... ça grésillait un petit peu, mais en vrai, c'était correct. Mais je pense que c'est moi qui ai mal setup un truc.
J'ai regardé la prog du 25h de demain. Il y a une raison particulière pour cet event, à part souffrir ? Non, bah c'est un marathon, ça fait plaisir à la commu, enfin c'est un truc assez... assez sympa quoi. Mais non, il n'y a pas d'autre raison particulière à faire un... un marathon. Mais tu sais, c'est comme... je sais pas, il y a aussi ce côté accomplissement à la fin, challenge perso. C'est pas vraiment un challenge, c'est plus... histoire de... passer 25 heures ensemble, pour ceux qui veulent se... Oh, ouais, ça c'est dur. Mais est-ce qu'il... lui, il est sur la mauvaise route, là. Mais je sais pas, comment vous expliqueriez-vous ça ? Sub-goal aussi, ouais, c'était un sub-goal. Après, tu mets en sub-goal des trucs réalisables, mais... et que t'as envie de faire. Mais ouais, c'était un sub-goal. Et c'est quelque chose que je fais assez souvent. Je fais environ deux fois par année un live 25 heures en réalité. Et je trouve que c'est souvent, moi. Bon, là, le dernier, il date, non ? J'ai fait un 24 heures en 2022 ? Oui, je pense. Oui. Oui ? Oui. Sûrement fin de l'année passée. How I've never learned about this since TM's release. Huh? Merci Yannex. What did I learn you? How I've never learned about this. La cup? Ah! Ah! No worries. Après, la cup, elle est assez jeune. Hein, genre, elle a 5 semaines, quoi. Oh, s'il avait connu les RMX. Mais trop content de faire découvrir. Mais ouais, le mec AFK au start, là, j'ai envie de le baffer. Qui pique des slots comme ça. Pareil pour les gens qui DNF. Hein. Chem type 1. Ah, je veux pas dire when end round parce que il y a peut-être des gens qui roulent encore. Mais non, je crois pas. When, ok. Now. Il y a plus de RMX ou shitfest, non, c'est plus organisé. Pour l'instant. Ok. Allez, deuxième map. On se refocus, on se reconcentre. On a déjà une map. Pas dans un stade. Ce qui est honnêtement un peu plus dur à learn. Ok, 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 ok. À mon avis, il y a des parties plus tricky là. Hein. Wall slide ou pas? Je pense wall slide, moi. Bug slide ou wall slide? Ah non, peut-être GS. Ok, big jump. J'ai l'impression que c'est la partie RPG, donc je regarde un petit peu. On a roue libre. Ok, looping sur un bloc. Ok, je vais regarder avant la partie, là. Turn, turn. Ok. Non, là, j'ai réactivé Tweaker. J'enlève Tweaker pour Camset au début.
Merde, attends. Merde, j'ai pas vu. C'était un... Ouais, c'était un quarter. Pitié. Wouah! Oh, j'ai failli me jeter dans le vide. Hein. Combien dans le chat se serait jeté dans le vide là? Après, c'était peut-être la safe way ce que j'ai pris. Wouah, putain! Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais dû passer à droite, je sais. J'ai peur que ce soit un turn à gauche. No break, no break, no break, no break, no break. Je me le rappelle, sinon j'oublie. Ok, là on va avoir le passage herbe. Turn à gauche. Oh, buckslide. Buckslide à droite. Ça glissait un peu plus loin que ça. Là, j'ai pris assez haut pour safe. Là, il y a le petit passage plateforme. Ensuite, ce sera roue libre. Ensuite, c'est réacteur à gauche, looping sur un bloc. Et le reste, j'ai pas. Pas du airbreak. Merci beaucoup. Merci pour le raid, malheureusement je suis... Ah, je pense que c'est Alves pour un raid du vendredi. Oh, la roue libre de 3 kills, ok. Et en pleine compétition endurance, on découvre le circuit, il faut... s'adapter le plus vite possible. Ok, ok, là c'est assez tranquille. J'aime beaucoup les ralentissements qu'il a fait. J'aurais pas eu besoin d'aller autant un thé, mais bon. Pas sûr du bail là, monsieur. Oh putain. Voilà, très bien la glace. Avec les bordures. Ok, YOLO. Non, t'as pas fait ça. Bah franchement, là, on a aucune visu. Hein. Ça, je trouve dommage. Je m'en veux pas du tout. Hein. J'ai guess 3 blocs à droite, c'était 4. Je peux difficilement faire mieux. C'est pas grave. Au moins, il a fait une jolie safe way. C'est pas en mode on tombe dans le vide, on doit respawn. Un nouveau bloc. J'étais bien là. Ok, les petites flèches, très très bien.
Même tout droit. Non, release. Je grille. 43, c'est finish. Écoutez. Je suis un peu deg du quarter. Franchement, c'est... En réalité, j'ai l'impression que c'est le seul endroit où on peut faire une erreur. Et ça me tilte un peu. Parce que regardez. 48 vies, tu sautes. C'est un peu tristoun. En plus, c'est pas comme si sa déco, elle était obligatoire, là. En fait, tout ce que je demande, moi, c'est de pouvoir voir... Vous voyez, si on voyait ça, c'était bon. En fait, j'ai cru que le quarter était là. Donc j'ai fait 3 blocs à côté. Mais bon, j'aurais pu deviner que c'était pareil que le premier. Merci beaucoup, dame, pour le sub offert à Alvin, merci. Pas facile, la map. Bah, surtout le quarter. C'est un peu tristoun. Mais bon, pas grave. J'ai perdu quoi, 3 places dessus? 2 places? Ah, quoique, hein, j'ai perdu bien... comme ça. C'est comme ça. Et je pense que j'ai perdu bien 2 secondes, donc j'aurais dû faire 3ème, je pense. Pas grave, c'est partie du jeu. Frapper une flèche aussi, ouais. Mais ça, c'est... J'estime que la flèche... C'est... Genre, c'est une petite erreur. La flèche, je l'ai prise parce que j'étais en train de réfléchir à comment j'ai perdu une place dans le sable. Genre, j'étais 2ème. Je mets les cards, je vois Plixie et Lars. Donc, à mon avis, il y avait moyen de break dans l'eau, ratterrir, jumper et de ratterrir quasiment ici. Je sais pas exactement comment ça s'est passé pour les autres. J'ai vu qu'avec Lars, on avait la même speed, mais en fait... Quand je roulais là, j'étais encore en train de penser au passage haut, à comment j'aurais pu faire mieux. Et ensuite, je me réveille, je vois cette flèche. Du coup, je fais un gros coup à droite. Et je me prends celle-là. C'est aussi con que ça. Mais ouais, en gros, t'enlèves mes 2 petites erreurs et j'étais first. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. T'enlèves les erreurs de tout le monde et ils sont first. Pam, pam, pam. Ouais, bon, peut-être pas tout le monde, mais vous comprenez l'idée. Genre, ça sert à rien de se dire... Ah, sans mon erreur, j'aurais fait 3. Je me le dis, mais... C'est con parce que... Sans l'erreur de Nekojim, bah j'aurais fait 4. Si chacun enlève ses erreurs. Oh. Une endurance race avec une map vue du dessus. Hmm. Genre micro-machine, je sais pas. Je pense que ce serait marrant une minute, mais... Ce serait un peu chier. Surtout que là, vu du dessus... Bah, quand t'es sous la map... Tu vois rien. Dave, qui arrive bientôt à la fin aussi.
Ah, dommage, Sadog. Mais j'ai trouvé, de manière générale, la map bien réalisée. Avec des ways sympas, des jolis ralentissements, j'en ai parlé pendant la run. Même de manière générale, c'était bien indiqué. Juste dommage, le petit quarter... le quarter full blind. Tricker doesn't work in spec. If it's the problem. Ou peut-être qu'il vient de terminer. Oh, frérot. Regardez. Il peut pas terminer là. Et ça, je trouve con, sur des passages roues libres, de forcer un turn comme ça. Enfin, c'est dur. Déjà qu'on lag, il nous met un turn roue libre qu'on doit prendre full speed. Moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve pénalisé. En fait, la roue libre... Ah, j'aime bien l'idée, mais pour moi, elle a très peu sa place dans une compétition comme celle-là. En tout cas, il faut très bien la placer. Par exemple, sur un tout droit, avec un booster avant, ou j'en sais rien, mais un truc où tu peux pas vraiment choke. Oula, monsieur. Ah ouais, certains en parlent. Ah non. There was a long three wheels. Ouais, je suis pas anti free wheel. Hein. Juste, je trouve que... Là, effectivement, si tu fais une toute petite touch, bah, tu passes 2 heures en roue libre à aller jusqu'au reset. Ouais, je fais pas du tout gaffe au classement. J'ai plus tendance à le regarder à la toute fin. Comme ça, ça m'impacte pas trop en mode « Ah, si je fais top 3 et que lui, il fait top 8, peut-être que je peux gagner. » J'essaye de pas trop faire gaffe à ça. Juste jouer mon jeu et puis prendre du plaisir sur ces petites cups. Et puis, ouais. Bon, je vous l'affiche. Voilà, hop là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle map. C'est la 4e map du coup. Non, oui. Troisième map, putain, je sais plus compter. Ok, troisième map. Pourquoi je joue le warm-up moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Ok, je survole un tout petit peu pour pas me faire surprendre quand même. Parce qu'à mon avis, s'ils doivent mettre un truc bizarre, c'est au start. Parce qu'au start, t'as le temps de train le warm-up. Déjà, on a un turn glace. Donc ça, important de le pré-shot. Ouh, ça a l'air plus dur. Ça a l'air plus dur, ça a l'air plus dur, ça a l'air plus dur. Tac, tac. Petite partie là-dedans. Ah, j'ai pas eu le temps de voir grand-chose. On a une partie haut, turn droite. Ok. J'ai pas eu beaucoup de temps, mais pas grave. Allez, let's go. Thank you.
ça tourne plus que prévu. Et le temps de glace. Je l'ai mal fait. Oh là 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 là, j'ai tout flingué. J'avais peur de tomber en un T, j'ai préféré perdre une seconde et être tranquille au moins. Ah, je perds tellement de temps sur une partie full speed. J'ai mal calculé l'entrée. J'ai pas perdu la gear, c'est assez huge. Oh, j'ai suivi la flèche, je peux pas m'en vouloir. Manque une flèche pour moi. Fuck off, les roues libres, Jean. En fait, tu peux pas. Je m'en veux pas. Je suis... En fait, j'arrive trop vite. Il y avait un monde où je freinais assez et ça passait, mais je l'ai pas tenté. Franchement, je sais pas. Pour moi, il y a un vrai problème. J'ai zéro speed. Allez, on se refocus. Oh, vraiment, frérot? Ok. Oh, j'ai de la peine à remettre dedans. Ah, la roulie m'a trop tilt. Ok, la glace bien calculée. Blind, full blind. Y a rien, y a pas d'info, y a un petit drapeau en hauteur et c'était bon. J'aimerais.
Oh mais putain! Pardon. Oh, je finis 9e dans tous les cas, mais... Je sais pas à quel point... C'est pas si dur de se mettre dans la peau, surtout Doogie. Se mettre dans la peau d'un mec qui découvre à 100%. Même si tu doutes... Même si tu doutes en mode « Ah, est-ce qu'ici, il n'y a pas assez d'infos ?» Ah, tu les mets, tu t'en fous. Bon, comme j'ai dit, je regarde pas le classement. Elle était dure celle-là, bon, pour spec forcément. Tenez. Garder la même hype au fil des jeux. Je suis curieux d'avoir ton appréhension du jeu après tant de temps. J'ai pas l'effet nostalgie. C'est juste ça a toujours fait partie de ma vie, ce jeu. Parce que j'y joue depuis que j'ai 12 ans. Et tu vois, pour moi... Bon, je me suis fait avoir deux fois parce que... Je regardais combien de CP il restait. Mais pour moi, il faut mettre un... Peut-être pas cacher la visu, mais... Des petites flèches gauche-gauche. Des droite-droite, des petites flèches gauche-gauche. Droite-droite. Genre mettre ça devant notre gueule. Dites-vous qu'on tunnel vision... Format TikTok. Mais ouais, pour revenir à ta question, c'est juste que j'apprécie le jeu, il y a de la nouveauté tout le temps. Je serais pas resté dessus s'il y avait pas de nouveauté, par exemple. S'il y avait pas l'éditeur, je serais pas dessus. Et avec grand plaisir, Gameplayer. Mais ouais, ce qui me fait, entre guillemets, rester et aimer le jeu, c'est le fait qu'il y ait une communauté aussi impliquée dans le jeu. Que ce soit pour hausse des compétitions, créer des circuits, des concepts, etc. etc. Moi, c'est vraiment ça que j'aime dans le jeu. Et simplement de créer moi-même. De moi, j'adore mapper, j'adore découvrir des circuits, etc. C'est la troisième map. On va aller sur la quatrième, là. Hazard. Slide out on ice for no reason and then the penalty grass after is full blind. I have to... Ah, c'était après. Ouais, il a fait la même erreur que moi sur le... La grâce. Penalty grass. Non, vraiment. Hein. La grâce, là... Imaginez, vous arrivez là, vous avez ça. Genre, littéralement. Vous avez la flèche gauche et vous arrivez là. Ça peut être ici comme ça peut être là. Et du coup, tu fais un peu un mix des deux. T'arrives là, t'es comme ça. Tu vois le CP, tu te dis « Oh, le CP !» Bah, tout droit. Et bam, tu te bouffes ça. Juste, c'est vraiment mal fait. Mais, je sais que c'est dur. Quand t'es mappeur, vu que je le suis aussi... Bon, j'ai dit juste avant, c'est pas si dur de se mettre dans la peau de quelqu'un qui découvre la map, mais oui, c'est très compliqué. Et du coup, il y a des petits trucs auxquels tu penses pas, et t'es tellement habitué à faire la map que tu vas naturellement vers la bonne way. Mais c'est pour ça qu'il faut des bêta testeurs.
Do you beta test Turbo? Ah, on va pas le voir. Je me demande si c'est Turbo lui-même. Bon. J'ai l'impression qu'il y a des noms de joueurs qui reviennent souvent. Ça donne effectivement l'impression que la communauté est assez active. Ah, c'est pas qu'une impression, la communauté est très active. Et oui, on voit toujours les mêmes pseudos en Division 1. On voit toujours les mêmes pseudos dans les compétitions. Tu vois, les petites compétitions, mini RPG of the Week, etc. C'est comme une grande famille, quoi. Grande famille de. Je sais pas, je pense qu'on doit être 300, 400 à vraiment être toujours là, etc. En fait, c'est le genre de jeu où soit tu joues tous les jours, quand t'es bon, enfin quand t'es un minimum bon, soit tu joues pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, Elusive ! Allez, vas-y, c'est tout droit ! Let's go. Non, tu parles de bois ou tu parles de keep practicing. Ah, de ceci. Non, pas ceci. Ok, last map. Allez, on peut encore faire une bonne perf. Ok. Oula, ça a l'air tricky. Il va y avoir du respawn là-dessus, à mon avis. Oh, c'est tellement boxed. Faites pas ça, faites pas ça. Imo, il y a trop de déco. Le problème de mettre trop de déco, c'est que tu peux pas lire autour. Mais bon, pas grave, c'est comme ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok. Ouais, la déco en inter cache tout, c'est ça. Exactement. C'est pas grave. On va faire avec, c'est la même pour tout le monde, faut se dire aussi. On a la même visu que tout le monde. Allez, let's go, GL. Merci beaucoup pour le resub ou le sub. Ça va être très compliqué, je vous le dis. Là, il va falloir ce Omega Focus. Je me suis déjà fait attraper. Mais caraïou ! Ok.
Ah, les flèches rouges pour un petit turn comme ça. J'ai peur de pas avoir le speed. Parce que là, t'avais pas la speed, tu respawnais. Hein. Et tu te retapes le slow-mo. Allez, concentre-toi, concentre-toi. Pas bêtement. Quand je l'ai dit. Ça, c'est pas un jump. Donne le finish! Oh là 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 là! En fait, j'ai all-in! Parce que je me suis dit, ils sont en fight devant là, Hazard et Inos. Il reste genre 2 CP, je crois, quelque chose comme ça. J'osais pas trop regarder parce que c'est assez loin de ma vision. Mais il restait vraiment très peu de CP. Et je me suis dit, vas-y. Go insane. C'est vraiment... Attendez, c'est ce turn. Je vais y aller. Ici, là. Là, j'ai go insane, là. Je suis... Allez, trust-toi. Trust-toi, gamin. Mais je savais qu'il y avait un coup à jouer vu qu'on arrivait vers la fin. Et franchement... Ah, t'enlèves mon erreur. Oh, mais c'est quoi ça, frère? Oh, la map a pas l'air cool à jouer quand t'es moins bon au jeu.
Ouais, Inno, ça a disparu. Disparu des radars. 109. Il a fait genre 12e. Salut, avec sa mère. J'ai parié pour la cote. Ouais, 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 c'est ça. Non, bah, content. Hein. J'ai... Franchement, depuis qu'il y a cette cup, j'ai beaucoup de bons retours. Comme quoi, c'est vraiment agréable à regarder et tout. Moi, j'adore jouer ça. Donc, c'est bien pour tout le monde. Remonte pour mon message. Viewer de la team YouTube, je me suis dit qu'il fallait que je passe vite fait pour te remercier par un petit prime du contenu que tu nous proposes. Donc encore merci sur ce. Je repars pour pas me spoil la vidéo YouTube de la TER. Merci beaucoup à Baban. Et merci pour le prime. Désolé, je l'ai même pas entendu. J'étais beaucoup trop focus. Et merci Gamelayer. Je sais plus si j'ai dit merci pour le 6ème. Et oui, j'avais dit. On est aussi stressé que toi pendant les manches. Ah mais c'est trop bien ce format. Ouais, la lisibilité de cette map là était vachement compliquée. Mais en même temps, en vrai ça me va parce que c'est aussi le style du mappeur. Et tout le monde est dans le même bain. Finalement c'est un petit jeu de qui va pas de choke déjà, mais je sais pas comment expliquer. J'avais pas cet avis là sur les premières éditions. En mode j'insultais le mappeur à chaque fois que je choquais. Mais là je suis un peu plus en mode c'est bien d'avoir des styles différents déjà, parce que là on a vraiment un style avec tous ces néons etc. Bon, il y a vraiment trop de déco par contre, parce que ça enlève vraiment la visibilité de la map, mais c'est quand même un style intéressant. Et je sais pas, le bout de tuyau noir était sur fond noir. Je sais même pas le tuyau. Non, parce que t'avais la dirt. Attends, le tuyau... Il devait être par là. Non. Par... Je vais le trouver, ce tuyau. Pour moi, il est dans ce sens-là, déjà. Là. Bah moi il m'a pas surpris, mais j'arrivais déjà un petit peu lent. Mais vu que t'as la dirt, tu peux plus ou moins le lire. La scénarie a du sang sur les mains. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça fait plaisir. Au niveau du classement, on est égalité du coup pour la deuxième place. Je sais pas ce qui départage. Sûrement... Je sais pas. Et merci Tristan. Bah ouais, hein, c'est vraiment... Je pense que s'il y a bien un format qu'on peut sous-estimer en termes de difficulté, c'est celui-là. Hein. À mon avis, en spec... En fait, en spec, tu te fais porter et tu te dis « Ouais, j'aurais sûrement été là. » Mais en réalité, c'est autre chose. Déjà, c'est très, très... Comment dire ? Ça demande beaucoup de concentration. Genre, quand tu joues, c'est vraiment... T'es tout le temps en train de chercher où aller. Et en plus de ça, rajouter le fait que si t'es premier, bah, t'as un peu plus de stress. On serait beaucoup plus lent que toi, donc on verrait les ways de plus loin, non? Ça marche.
Oui, si tu le dis, oui. Ça doit être ça. Bah, joue. Joue et... Tu verras, parce que... T'as beau arriver lentement, il faut déduire que c'est la bonne way. Et ça, pour... T'as des passages où déjà, tu peux pas être lent, parce que t'as des speed checks. Notamment sur cette map où t'as des jumps. Mais faut réussir à comprendre que, ok, il y a cette flèche là à cet endroit, du coup ça veut dire qu'on a passé là. J'ai l'impression que personne ne teste les maps. Comment c'est possible de laisser arriver le fiasco de la troisième map? C'est quoi le fiasco de la troisième map? Bon, du coup on a le classement. Lars en premier, suivi par Hazard et moi. Je sais pas ce qu'il départage, du coup. Deuxième égalité. C'est des maps accessibles, ça vaut le coup d'essayer par contre. Bah, peut-être map 1 et 2. Ou 1 et 3, je crois. 1 et 3 étaient plus ou moins accessibles. 2 était un peu plus dur et 4 était vraiment abusé. Le manque de panneaux, honnêtement, ça se voit si teste la map. Ouais, j'ai demandé à Turbo... Si bêta testait. Hard maps. Bêta tested. By the way. Non mais ça peut être pris. Ça peut être mal pris donc. En vrai je m'en fous. Ils font bien leur taf. Bon YouTube. C'est la fin de cette Turbo's Endurance Race. J'espère qu'elle t'a plu. Moi j'ai pris j'ai pris du plaisir sur cette Endurance Race. Ce sera peut-être pas le cas de toutes les Turbo's Endurance Race parce que des fois on tilte trop sur une erreur et puis ça prend de l'ampleur. Mais j'ai essayé de me refocus sur les moments où c'était compliqué, notamment la putain de roue libre. Mais à part ça, on se revoit très vite. Pense à t'abonner et liker si t'apprécies le contenu. C'est grandement apprécié. Et on se revoit très vite. Des bisous.